Here we go. Here we go. Bonjour tout le monde, bon réveil sur Scoop 6h. Bah, je m'appelle Antonin, j'ai 28 ans. J'ai deux passions dans la vie actuellement, c'est la radio et dormir, c'est important. Je fais de la radio depuis maintenant 8 ans, c'est ma 8ème année que j'en vis. Je compte pas les années étudiant, tu fais ça par passion, ta petite chambre avec tes petites cassettes à l'époque. Et cette année sur Radio Scoop à Bourg et Mâcon, je fais le 6h-9h. Alors, pourquoi j'ai voulu faire de la radio? Je crois que même moi, je sais pas trop. Je jouais un peu à l'animateur radio quand j'étais petit, je mettais un casque, etc. Mais je savais pas du tout que je voulais faire ça. Et un jour, j'ai eu cette idée, ça a fait tilt, et j'ai voulu essayer. Et j'ai fait un stage, une radio associative. Donc c'est vraiment de la débrouille, hein, pour le coup. Enfin, y a rien de professionnel, chacun fait un peu son truc. Et j'avais 16 ans, je crois. Et je prenais tout, je prenais un bus, un tramway, pour je crois une heure d'émission, donc ça valait absolument pas le coup, quoi. J'ai adoré ça, j'ai vraiment kiffé. Mais ouais, c'est une passion qui est née. Ouais. Le premier truc, il y a un côté magique à la radio. Et en fait, on voit pas à qui on parle, on sait pas à qui on parle, mais on sait qu'on parle à des gens. Et en fait, c'est un peu de l'imaginaire, en fait, c'est juste incroyable, quoi. Et surtout le matin, on réveille des gens. Et ça a l'air tout bête de dire ça, mais quand vous vous levez à 4h15, que vous commencez le travail, il est 5h, et que vous sortez l'émission à 9h, c'est pas ça un truc. C'est un peu comme si la vie s'était mise en route, en fait. On essaie de les mettre de bonne humeur, tout simplement. Enfin, je suis pas humoriste, je suis pas le mec plus drôle de la terre, loin de là. Moi, c'est ça que j'aime bien, en tout cas, dans la radio, ouais. Ce qui est bien à Scoop, est-ce que ça va être un petit peu l'instant faillot de l'interview, c'est ça? Non, on fait un 6h-9h 100% pour Kémacon. On fait vraiment du local. Et ça c'est génial parce que si je travaillais sur d'autres radios, on fait un peu tous la même chose. Alors je dis pas que c'est mal ou c'est bien, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que nous, pour le coup, on va vraiment faire du local. Tout le temps ça va être bien fait, ça va être bien ficelé, il y aura vraiment toujours une équipe qui travaille dessus et ça va être plaisir.